Bonsoir à tous, bienvenue sur votre émission Réveillez-vous. Vous êtes sur Réveil TV. Voilà, que Dieu soit béni pour le temps, l'opportunité qui nous donne encore de partager Sa Parole. Par Sa grâce, par Son amour, nous ne sommes rien. Voilà, et c'est simplement l'amour de Dieu qui nous permet ce soir d'être là et de pouvoir parler de Sa part. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre partage et on va s'incliner dans la prière et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, tu es digne, tu es grand, tu es roi et les cœurs t'appartiennent, Seigneur, tous les cœurs des hommes et surtout ceux de tes enfants. Seigneur, merci de nous instruire, de nous conduire, de nous guider, Seigneur, par ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous l'as donné, Seigneur, afin qu'elle nous lave, qu'elle nous purifie et qu'elle nous permette, Seigneur, d'être prêts pour ton retour. Sois glorifié, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint qui prend le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer notre partage, notre partage en prenant un passage dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, on va lire à partir du verset 28. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Voilà. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Donc, ce soir, nous sommes là dans le cadre de l'émission Réveillez-vous et on va partager un peu la parole par la grâce de Dieu pour s'encourager afin que nous soyons tous bâtis selon la parole du Seigneur. Donc, Romains chapitre 8, à partir du verset 28, on va faire la lecture. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29, Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés être conforme à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier de beaucoup de frères. Ici, la Bible nous parle de la conformité à l'image, de la conformité à l'image de son fils. Donc, en fait, on comprend que... La Bible nous parle ici de ceux qui ont été connus d'avance. Et Jésus va le dire, le Seigneur va le dire, Yahweh va le dire à Jérémie, il va dire avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé et je t'avais consacré prophète pour les nations. Donc on voit ici que Dieu nous connaît avant même que nous ne soyons existants sur la terre, avant que nous ne soyons créés sur le ventre de notre, dans, le, dans le ventre de notre mère, dans l'utérus. D'accord nous sommes connus depuis l'éternité par Dieu. Et Paul va dire la même chose dans Galates. Il va dire, quand il prie à celui qui m'avait appelé dès le ventre de ma mère, d'annoncer en, 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 en lui son fils, je ne consultais ni la chair ni le sang. Vous voyez, on est connu d'avance. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes connus d'avance. Vous voyez, ici, nous ne sommes pas en train de parler de la prédestination selon la, des doctrines qui sont enseignées ici et là. Notamment dans le Branhamisme, mais nous parlons ici de la prédestination par le Seigneur. Parce que le Seigneur sait, malgré l'évangile qui a annoncé, quelles sont les personnes qui vont l'accepter et quelles sont les personnes qui, malgré les interpellations du Seigneur, l'amour du Seigneur, vont refuser volontairement de suivre la parole de Dieu. Et donc ici, on nous dit que ce qu'il a connu d'avance, c'est-à-dire. Ceux qui sont appelés sont sur les 7 versets 9, car ceux qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier né de beaucoup de frères. Donc, on comprend que l'objectif, l'un des objectifs du Seigneur à la, à la croix, sinon l'objectif principal, d'accord, c'est de nous amener à être à l'image du Fils. Mais pourquoi nous devons être à l'image du Fils Parce que c'est bien beau qu'on le dise, mais pourquoi nous devons être à l'image du Fils donc le thème de notre enseignement, de notre partage, c'est être à l'image de Christ. Oui, être à l'image de Christ. Parce que nous remarquons euh, dans les temps de la fin, et Paul le dit, il dit que dans les derniers temps, on va, on va le prendre, on peut prendre un Timothée. On va prendre un Timothée. On va prendre un Timothée. Voilà, un Timothée. Chapitre 4. On va lire à partir du premier verset. Donc 1 Timothée chapitre 4 à partir du premier verset, mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs et en leur propre conscience marquée au fer rouge, empêchant de se marier et ordonnant de s'abstenir de viande que Dieu a créée afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce de action de grâce et on voit ici par ce passage que le Seigneur nous montre que dans les derniers temps il y a beaucoup 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 de chrétiens qui vont avoir beaucoup de choses ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et ces personnes-là ne vont pas s'attacher à l'image de Christ vous voyez. Or, ce qui est important, c'est que nous ressemblons à Jésus. C'est que nous soyons à l'image de Christ. Pourquoi Parce que Christ est Dieu. Et si nous sommes à l'image de Christ, c'est que nous sommes à l'image de Dieu. Amen. Donc, sans plus tarder, on va prendre un autre passage pour comprendre l'origine de, 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 de l'œuvre de la croix. Parce que lorsqu'on parle d'être à l'image de Christ, il faut comprendre qu'on parle de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix a eu pour objectif par la mort de Christ, de nous amener à ressembler à Dieu, à porter l'image de Dieu. Or, cette image, nous l'avons perdu dès la Genèse, en fait, lorsque l'homme a péché. Et donc, on va prendre Genèse, on va aller dès le commencement, dès la, dès la Genèse. Genèse 1. Genèse 1, on va prendre le verset 25 à partir du verset 25. Genèse 1 à partir du verset 25. Genèse 1 à partir du verset 25. Genèse 1 à partir du verset 25. Genèse 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Ok, on va lire le verset 26 plutôt. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur, notre, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Donc, ici, on voit bien que l'homme, donc Adam et Ève, ont été créés à l'image de Dieu. Ils avaient l'image du Seigneur en eux. Parce que la Bible nous fait comprendre que Dieu va descendre il va prendre la terre il va former l'homme et il va souffler en l'homme. D'accord Un souffle de vie. cest à la nature de Dieu va être en nous. Nous ne serons pas Dieu, mais nous allons avoir la nature de Dieu, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu, la pureté de Dieu sera dans l'homme. Vous voyez Et malheureusement, quand on arrive dans Genèse chapitre 3, on voit dans Genèse chapitre 3 la séduction de l'homme. L'homme, la femme et l'homme sont, sont séduits par le serpent. Évidemment, c'est la femme qui a la discussion avec le serpent. Elle est amenée à, à convoiter le fruit. Elle mange le fruit, elle en donne à son mari, et la Bible nous fait comprendre que tous les deux vont pécher contre Dieu. Vous voyez Et la gloire de Dieu va se retirer de l'homme. L'homme va constater qu'il était nu. L'homme va perdre sa nature, il va perdre sa nature, Vous voyez, cette couverture, cette présence de Dieu, cette, 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 cette nature de Dieu, la sainteté, la justice, la crainte de Dieu, l'amour de la vérité, toutes ces choses vont disparaître dans le cœur de l'homme, et beaucoup de choses vont prendre place le meurtre, la haine, la jalousie, vont s'installer dans le cœur de l'homme au travers de la désobéissance d'Adam et de Ève. Donc il fallait, d'accord, que l'homme soit restauré à son image première, c'est-à-dire tel que Dieu l'avait créé, parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu va créer l'homme, il va dire que cela était bon, donc cela était parfait. Vous voyez Parce que le bon, là, c'est la perfection, en fait, parce que tout ce que Dieu a créé était bon, parfait. Vous voyez Et Dieu va créer l'homme parfait. Malheureusement, à cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève, les hommes vont être plongés dans le chaos. Vous voyez, ils vont être plongés dans le chaos. Et il fallait que cette image initiale soit restaurée par l'œuvre de Christ. Et Dieu va préparer l'homme durant cette dispensation pour pouvoir, enfin pas cette dispensation, mais pendant plusieurs dispensations, pour pouvoir préparer l'homme à recevoir l'arrivée christ pour le salut de l'humanité vous voyez et quand on prend romains chapitre 5 romains chapitre 5 romains 5 romains 5 romains 5 alors on va prendre romains 5 à partir du Romains 5, on va, on va commencer à partir du verset 1, on va descendre. Romains 5, alors le verset qui nous intéresse, on va le retrouver à partir du verset 12. Romains 5, à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul être humain, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Ainsi la mort s'est étendue sur tous les humains, car tous, par quoi tous péchèrent Pardon, je vais reprendre. C'est pourquoi, comme par un seul être humain, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les humains, par quoi tous péchèrent. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Verset 14. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 15, Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute, car si par la faute d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul être humain, à savoir de Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur plusieurs? Vous voyez, ici, on nous fait comprendre que par la mort de Jésus-Christ, d'accord, beaucoup de personnes, d'accord, vont recevoir la grâce, en fait, vont recevoir la nature de Dieu. De même, on nous fait ici une comparaison. De même que les hommes, aujourd'hui, sont soumis à la nature pécheresse dès leur naissance à cause du péché d'Adam et Ève, d'accord, on nous fait comprendre ici que Christ, par sa mort, nous a amenés, d'accord, à porter déjà l'image de Dieu. Déjà, pour pouvoir montrer effectivement que l'homme a porté l'image d'Adam, de, de, on va repartir dans le livre de Genèse. Là, on va aller progressivement, petit à petit. Alors, Genèse, Genèse chapitre 5. À l'origine, on nous fait comprendre que Dieu va créer l'homme à son image. Ouais. Et dans Genèse chapitre 5, verset, à partir du verset 1. Genèse chapitre 5, à partir du verset 1. Voici le livre de la généalogie d'Adam, depuis le jour où Dieu créa l'être humain. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc là, on reste sur le verset 1. Au verset 1, on, ne fit que Dieu, on nous dit que Dieu va créer Adam. La généalogie d'Adam, que Dieu va, quand Dieu va créer Adam, il va le faire à la ressemblance de Dieu. Au verset 2, on nous dit Il les créa mâles et femelles il les bénit et les appela du nom d'êtres humains le jour où ils furent créés. Et Adam vécut. 130 ans, et engendra un fils à sa ressemblance, et selon son image, et lui donna le nom de Seth. Or, on va s'arrêter là, or on sait que entre la création d'Adam et la naissance de Seth, il y a eu le péché. Donc, Adam n'a pas transmis, d'accord, à, à, à Seth l'image de Dieu, il a transmis son image. Vous voyez, quand il dit, on, nous, on nous dit ici que Adam va transmettre à Seth, il va engendrer un fils à sa ressemblance, c'était non seulement sa ressemblance physique, mais c'est aussi sa ressemblance spirituelle, c'est-à-dire son caractère. Vous voyez Donc, à l'origine, Adam a été créé à l'image de Dieu, mais à cause du péché, à cause de la désobéissance, Adam s'est retrouvé à porter l'image du péché, c'est-à-dire sa nouvelle image pécheresse, et qu'il l'a communiquée à Seth. Est-ce que vous comprenez C'est ça la raison pour laquelle Christ est venu mourir à la croix. Et malheureusement, Beaucoup des hommes, sinon tous les hommes, sont soumis à cela. Vous voyez, Romains 6 nous en parle. Romains 6 nous dit, on va prendre Romains 6, parce que c'est vraiment important de pouvoir partager avec les versets bibliques pour que ça puisse aider les uns et les autres. Romains 6, Romains 6, Romains 6. Je crois qu'on va beaucoup travailler avec le livre de Romains aujourd'hui. Romains chapitre 6. Romains 6, on va, on va afficher le premier verset, je vais vous donner le verset tout à l'heure. Romains 6, alors on va lire le verset. Euh, on va parler d'abord de Romains 3, 23. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Donc, on comprend que tous les hommes, à cause de la nature du péché là-dedans, sont pécheurs. Hein, tous. Tous les hommes sont pécheurs. Aucun homme, aucun homme, aucun homme n'est juste devant Dieu. Tous, tous sont pécheurs. Tous sont condamnés à la mort. Romains 3, 23. Vous voyez? Romains 3, 23 nous dit car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Au verset 24, on nous dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez Donc, ce n'est que par la rédemption qui est en Jésus-Christ qu'on arrive à retrouver cette image qu'il y avait à l'origine. Mais tous les hommes sont pécheurs. Et Romains 6, d'accord, nous dit que tous, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, comme tous les hommes sont pécheurs, s'ils ne sont pas, d'accord, sauvés par Christ, s'ils n'ont pas reçu la rédemption, ben, ils sont condamnés à la mort. Laquelle des morts Ben, premièrement, la mort physique à laquelle tous les hommes, en dehors de ceux qui vont vivre l'enlèvement de l'Église, sont soumis. Et deuxièmement, la mort spirituelle. Vous voyez Or, quand on parle de la mort physique, même, même nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous mourrons physiquement, d'accord? Mais la mort physique, la mort spirituelle, n'a pas d'effet sur nous, parce que la mort, d'accord, n'a plus d'effet sur nous. Et le Seigneur nous l'a promis dans, dans, dans Matthieu chapitre 16. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et nous qui sommes membres de l'Église, ben, malgré le fait que nous mourrons physiquement, la mort n'aura pas d'effet sur nous. Donc, on comprend que tous les hommes qui sont sur la terre, tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que si tu n'as pas encore accepté Jésus, il faut que tu l'acceptes parce que pour l'instant, malgré les bonnes œuvres que tu peux commettre, malgré les bonnes œuvres que tu peux avoir dans ta vie, malgré ta gentillesse, ta justice, ton amour pour la vérité, c'est une bonne chose, on t'y encourage. Mais sans Jésus, toutes ces choses sont vaines. Sans Jésus, ces choses n'ont pas d'importance. Et. On nous fait comprendre que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, comment tous des hommes pécheurs pouvaient faire pour atteindre la justice de Dieu C'était impossible. Impossible d'atteindre la justice de Dieu. Vous voyez Parce que euh, dans le livre de Romains, Romains chapitre, chapitre 7, Romain chapitre 7, dans Romains chapitre 7, vous voyez, on va lire à partir. À partir du verset. Romains chapitre 7, on va lire à partir du verset 7. Romains chapitre 7, à partir du verset 7. Voilà, pour mieux cerner le, le contexte. Que dirons-nous dirons donc La loi est-elle péché À Dieu ne plaise. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit Tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion a produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, parce que sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi je suis mort. Ainsi le commandement qui conduit à la vie s'est trouvé pour moi conduire à la mort. Car le péché saisi sans l'occasion m'a trompé par le moyen du commandement et m'a tué par ce moyen. La loi est donc sainte et le commandement est sain et juste et bon. « Ce qui est bon a-t-il été, est-il donc devenu pour moi la mort Nullement. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort, parce qu'il est bon, afin que le moyen, par le moyen du commandement, le péché devienne excessivement pécheur. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Donc voilà le passage qui nous intéressait, c'était celui-là, c'était juste pour qu'on puisse cerner le sens. Paul fait comprendre ici qu'il était charnel, vendu au péché. Évidemment, c'est ça la conséquence du péché d'Adam et Ève. Les hommes étaient vendus au péché et il fallait que Christ vienne mourir à la croix pour pouvoir nous racheter. Et quand vous lisez la partie du premier verset, il nous parle justement de ce rachat-là parce qu'il fait l'analogie fait entre le mariage, l'homme, la femme qui est liée à son mari par la loi, d'accord Et il fait comprendre que. Ce n'est que par la mort de Christ, justement, qu'on obtient cette libération. Parce qu'en Christ, nous mourons. Donc, étant morts, nous sommes libérés de cette loi parce qu'on est libérés de la loi que par la mort. Vous voyez L'homme et la femme sont liés par, euh, dans les liens du mariage jusqu'à ce que la mort sépare les conjoints. Vous voyez Et ce n'est que par la mort qu'on peut être séparé. Donc, quand nous étions liés au péché, il a fallu que Christ par sa mort, nous en et qu'on ressuscite avec lui. Vous voyez Et ce n'est que par là que nous avons été libérés du péché. Mais avant cela, tous les hommes sont esclaves, sont vendus au péché. Comment faire pour être libérés de cela Comment faire pour sortir de cet esclavage Comment faire pour être libérés de cette nature, cette captivité du péché Mais La seule solution, c'est de pouvoir accepter Jésus. La seule solution, c'est de pouvoir accepter l'œuvre de la croix, la rédemption que Jésus accorde aux hommes. Vous voyez Et là, je m'adresse d'abord à, à ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est la solution. Maintenant, lorsqu'on accepte Jésus, il faut comprendre une chose, c'est que la nature de Dieu, la nature divine, vient en nous. D'accord Elle vient en nous. Mais dans l'esprit, nous sommes renouvelés. Vous voyez Dans notre esprit, nous sommes renouvelés. Nous avons la nouvelle nature de Dieu. Oui. Mais dans notre âme, nous avons besoin d'un travail continuel pour porter la nature de Christ, pour être à l'image de Christ. Et on expliquait au début, avant qu'on ne parle de comment faire pour atteindre l'image de Christ, on disait au début que Christ est Dieu. Et quand on parle de porter l'image de Christ, on parle de porter l'image de Dieu selon Colossiens. Colossiens chapitre 1, on va, on va quand même le prendre. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, on va descendre verset 16, je crois. Verset 15. On nous dit, lequel est l'image On va prendre plus haut pour que les, les frères puissent mieux cerner le contexte. Alors, on va prendre... Euh, à partir, du verset 12, à partir du verset 11, pardon, pour mieux cerner le contexte. Étant fortifié en toute puissance selon sa force glorieuse, en toute partie et constance avec joie, rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir le pardon des péchés, lequel est l'image, Verset 15, lequel est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trônes, ou les seigneuries, ou les principautés, ou les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Verset 17, il est avant toutes choses et toutes choses subsistent par lui, et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier des d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Donc, ici, on nous fait bien comprendre, dans le verset, verset qu'on allait plus haut, au verset 15, que Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, il a fallu, justement, après la mort, après le péché d'Adam et Ève, on avait perdu cette image, c'est-à-dire on ne savait plus comment ressembler à Dieu, parce qu'il n'y avait plus de modèle. Les hommes qui étaient sur la terre avaient l'image d'Adam. Tous autant que nous sommes, nous avons porté l'image d'Adam ou nous la portons encore. Pour ceux qui ne sont pas convertis, ils portent l'image d'Adam. Et c'était impossible parce que pour pouvoir ressembler à, à quelque chose, pour pouvoir reproduire quelque chose, il faut avoir l'original et puis pouvoir produire une copie. Vous voyez Parce que nous sommes la copie de Christ. Nous devons être la copie de Christ. Nous devons être en tout point semblables à Christ. En sainteté, en justice, en pureté. Mais le problème, c'est que on ne pouvait pas être cette copie-là si on n'avait pas le modèle. Parce que Adam nous a donné quel modèle ben, Le modèle que nous voyons aujourd'hui. Nous ne disons pas qu'Adam vivait comme les gens vivent aujourd'hui. Mais à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, le péché est rentré dans le monde et tous les hommes ont été soumis au péché. Donc le modèle que nous avons aujourd'hui, c'est quoi L'ivrognerie, l'impudicité. L'adultère, le mensonge, la haine, la jalousie, la tricherie, le vol, l'égoïsme, toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous voyons et malheureusement, les hommes venant sur la Terre ne reproduisent que les mêmes schémas. Donc il fallait qu'on ait une image, il fallait qu'on ait une copie à laquelle on pouvait ressembler. Et cette copie-là, pas cette copie, mais l'original, il fallait qu'on ait l'image, d'accord Et cette image, c'était Christ. Alors, Dieu va décider de quitter son trône de gloire. Prendre la nature humaine pour venir sur la terre afin que nous puissions regarder et contempler l'image que nous avions dès le départ en Christ. Donc, Christ va quitter sa gloire. Il va quitter son trône de gloire pour descendre et venir vivre avec nous. Vous voyez, pour nous montrer cette image. Et d'où c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, et en cette image, de pouvoir la refléter. Pourquoi Parce que les hommes ont besoin de voir Christ. Puisque Christ est monté, après sa mort, il est ressuscité, et il est monté, il est reparti, il est assis sur son trône. Maintenant, les hommes ont besoin de voir l'image de Christ. Par les Écritures, c'est vrai, mais par la vie de nous, ses enfants. C'est pourquoi nous devons porter cette image-là. Nous devons être semblables à Christ. Vous voyez? Nous devons être semblables à Christ semblables en tout point à Christ. Mais regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont dans quoi Ils sont semblables à leur pasteur. Les chrétiens d'aujourd'hui sont semblables à quoi Ils sont semblables au monde. Les chrétiens d'aujourd'hui s'habillent comme les gens du monde. Ils écoutent la musique des gens du monde. Ils parlent comme les gens du monde. Ils trichent comme les gens du monde. Ils escroquent comme les gens du monde. Ils couchent à gauche, à droite comme les gens du monde. Il n'y a pas de différence. Et quand c'est comme ça, on n'est pas à l'image de Christ. On ne ressemble pas à Christ. On ne porte pas la nature de Christ. ça, Dieu veut qu'on puisse porter l'image de Christ en nous. Pour que le monde puisse reconnaître la gloire, la gloire de Dieu dans nos vies. Et que le monde reconnaisse que oui, là, nous avons Jésus. On nous parle de Jésus dans la Bible. Oui, mais nous avons un exemple à suivre. Qu Qu'est-ce qu que le monde voit quand le monde nous regarde Est-ce que le monde voit Quelqu'un qui peut refléter Christ ou le monde voit quelqu'un qui ressemble au monde. Est-ce que le monde s'identifie à nous, par nous C'est tout un problème. C'est la question qu'on doit se poser ce soir. Est-ce qu'on ressemble à Christ ou on ressemble au monde On va prendre Acte 11. Acte 11. Acte chapitre 11. Acte 11 Acte chapitre 11, on va prendre à partir du euh, on va prendre à partir, on va prendre le verset 26 verset 24 pardon Ok, On va prendre la partie du verset 23 pour mieux cerner le contexte. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Là on nous parle de Barnabas. Dans le contexte, il y a l'évangile qui va se répandre, D'accord Et on va envoyer l'église d'Antioche va envoyer, l'église va envoyer Barnabas pour aller vérifier là-bas. Euh, on nous dit lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Car c'était un homme de bon, plein du Saint-Esprit et de foi, et un grand nombre de personnes se joignirent au Seigneur. Barnabas s'en alla à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant une, une année, ils se réunirent ensemble et les, aux assemblées des églises, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc là, on nous, voit que, on nous dit que les, les disciples de Christ, d'accord, furent appelés chrétiens. La première fois où Antioche, parce que, ben, on avait vu que, par rapport à tout ce qui avait été raconté de Christ, parce que la vie de Christ avait été racontée partout, les nations avaient appris que Christ, il y avait un homme du nom de Jésus-Christ qui était venu sur la terre, voilà, un juif, et qui a été crucifié à Jérusalem. Et on a raconté toutes ces histoires. Et quand. Les gens ont entendu parler de sa doctrine et qu'ils ont vu comment vivaient les disciples à Antioche, ils les ont appelés les chrétiens, c'est-à-dire les, 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 les hommes à la ressemblance de Christ. Oui. Donc en réalité, nous sommes des disciples de Christ. Oui. Nous sommes des disciples de Christ. Mais les hommes nous ont appelés chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, et nous devons justement honorer ce nom. Ce nom de chrétien que les hommes ont donné, nous devons l'honorer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont chrétiens juste de nom. Beaucoup sont juste chrétiens d'apparence. Ils vont dans les assemblées, ils ont une vie le dimanche, et ils ont une vie en dehors du dimanche. Ils ont une vie dans l'assemblée, et ils ont une vie en dehors de l'assemblée. Ils ont une vie à la maison, et ils ont une vie en dehors de la maison. Ils ont une double vie. Ça va en assemblée, ça prie, ça prêche, ça pleure, ça chante, mais derrière, il y a des copines. Ça couche avec les copines. Et la fin de toutes ces choses, c'est la mort. La Bible nous dit le salaire du péché, Romains 6, on l'a lu, verset 23, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tous ceux qui vivent comme ça n'ont pas l'image de Christ. Pourquoi ils n'ont pas l'image de Christ Parce que soit ils n'ont pas le Saint-Esprit, parce qu'ils ne, ne se sont jamais convertis, ils ont adhéré intellectuellement à une assemblée, à, 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 à l'évangile. D'accord À un groupement d'humains, mais sans avoir accepté Jésus. Et quand c'est comme ça, si tu te reconnais, la solution c'est quoi C'est te repentir. La solution c'est de véritablement revenir au Seigneur. D'autres sont comme ça, pourquoi Ils ont accepté Jésus, mais malheureusement, à cause de la pression du monde, ils ont cédé. Et ils ont commencé à vouloir ressembler au monde, vouloir faire plaisir aux hommes qui sont autour d'eux. Et ils ont perdu l'image de Dieu. Frère revient pour porter l'image de Jésus. C'est pour ça que Christ est mort à la croix, pour qu'on porte l'image de Jésus. C'est pour cela. Oui, c'est pour cela. Et que nous dit la Bible dans Philippiens Que nous dit la Bible dans Philippiens Philippiens, on va prendre Philippiens, toujours par rapport à l'image de Christ. Après, par la grâce de Dieu, on va pouvoir aborder justement Philippiens chapitre 1, Philippiens 1. Philippiens 1. Philippiens 1, on va le descendre à partir du verset 7, je crois. Verset 17, pardon, je crois, verset 17. On va descendre. Philippiens 1. Ok. Euh. Ok, on remonte. Philippien. Um. Ok, on remonte légèrement. On remonte. Ok. Non, on va on va remonter, pardon. Je crois que le, le passage est plus haut. Ok, on remonte légèrement. Alors, on va prendre Philippiens. Philippiens, je, je recherche rapidement le passage, excusez-moi. Philippiens chapitre 2, c'est Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Donc on parlait de nous sommes sur le thème de porter l'image de Christ. Philippiens, merci. Et en vous le même la même pensée qui était en Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à saisir. Cependant, il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave en devenant semblable aux humains et reconnu à son apparence comme un être humain, il s'est abaissé lui même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, ça, c'est ce que Christ a fait, voyez, pour nous donner l'image. Et il nous dit, nous aussi, en tant que ses enfants, ben, il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on se vide de nous mêmes, d'accord, pour porter la nature de Christ. Il s'est vidé de lui même et il a pris une forme d'esclave. Une forme d'esclave. Or, nous, nous sommes des esclaves de Jésus, nous sommes des esclaves de Christ. Vous voyez, nous sommes des esclaves de Christ. Si Dieu, d'accord, a décidé de quitter son trône, a décidé d'abandonner sa gloire, pour pouvoir, d'accord, venir nous donner cette image, il veut que nous aussi, nous puissions porter cette image. Vous voyez, et c'est possible de porter cette image par le Saint-Esprit. Maintenant, comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous portons cette image on va prendre Matthieu euh, chapitre 10. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. On va lire à partir du verset 14. Matthieu 10. Matthieu 10. On va aller au verset 16 directement, c'est mieux. Voilà. Il dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et sans mélange comme des colombes. Gardez-vous des gens, car ils vous livreront au, au sang et et vous châtieront avec un fouet dans leur synagogue. Et vous serez amenés devant les gouverneurs et même devant des rois à cause de moi pour rendre témoignage de moi devant eux et devant les nations. Verset 19. Mais quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Ni comment vous parlerez, car vous aurez à dire ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous. Verset 21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants livreront, leveront contre leur père et leur mère, et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous. Verset 22. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 23. Quand ils vous persécuteront dans une ville, fouillez dans une autre. Amen, je vous le dis. En effet, vous n'aurez pas achevé de parcourir toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Verset 24. Le disciple n'est pas au-dessus du docteur, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son docteur, et à l'esclave comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzebule, à combien plus forte raison appelleront-ils ses domestiques Donc, on va s'arrêter au verset 25, on va garder le verset à l'écran. Il suffit aux disciples d'être traités comme son docteur et à l'esclave comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzebule, à combien plus forte raison appelleront-ils ses domestiques Donc, ici, on nous fait comprendre que ben, Jésus nous fait comprendre qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Maintenant, nous, en tant que disciples, il nous donne un avertissement. Il nous dit, plus qu'ils ont traité le docteur, d'accord Il dit, il suffit aux disciples d'être traités comme son docteur. Donc, en fait, pour qu'on puisse porter l'image de Christ, il faudrait qu'on puisse être traité comme Christ. D'accord Et là, on nous donne deux indications. On nous donne l'indication de notre vie en tant que disciple et l'indication de notre vie en tant qu'esclave. Vous voyez en tant qu'esclave. Donc, on a deux images qu'on porte. On a l'image du disciple et l'image d'esclave. Ces deux images nous renvoient à deux choses. On va pouvoir aller en profondeur là-dessus tout à l'heure. Nous devons ressembler aux disciples dans le caractère de Christ, c'est-à-dire par rapport à sa vie de sainteté, par rapport aux souffrances que Christ a vécues. Et quand on nous parle justement de la vie d'esclave, c'est aussi la vie par rapport au service. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour être servi, mais pour servir les hommes. Et ça, c'est un gros problème, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous aimons être servis, mais nous n'aimons pas servir les autres. Or, la Bible nous dit quoi Que le plus grand parmi tous, qui soit le serviteur de ses frères. Vous voyez? Ici, voilà le point de départ de la ressemblance à l'image de Christ. Deux choses, être son disciple, et être son esclave. Et on nous fait comprendre que pour reconnaître que la nature de Christ, que nous sommes en train de lui ressembler, c'est qu'on doit être traité comme lui il a été traité. Alors comment Christ a été traité On nous fait comprendre dans les écritures que Christ a été flagellé. On nous fait comprendre que Christ a été insulté. On nous fait comprendre que c'était quelqu'un qui n'avait même pas d'endroit où dormir. Jésus ne vivait pas dans la prospérité. Quoi que Dieu bénisse, quoi que Dieu peut donner des biens à un homme, quoi que Dieu peut donner des voitures, des maisons, des enfants, des entreprises, des, des millions. Mais Jésus n'était pas attaché à ces choses. Déjà, Jésus vivait dans l'humilité. La première marque d'humilité de Christ, de Dieu, c'est qu'il a décidé en tant que Dieu de venir sur la terre et de vivre comme un simple homme. Vous vous imaginez que Dieu a pris un corps d'humain il est allé aux toilettes. Dieu, en tant qu'homme, a eu sommeil. Dieu, en tant qu'homme, a eu faim. Alors que Dieu n'est pas soumis à ces choses. Mais il a accepté de se soumettre à notre nature humaine pour nous montrer l'exemple. L'humilité de Christ. Et Dieu est tellement humble qu'il a créé le monde entier qu'il ne se fait même pas voir pour dire que c'est lui qui a créé le monde entier. Mais regardez aujourd'hui, qu'est-ce que les chrétiens cherchent La richesse. Qu'est-ce que les chrétiens cherchent La reconnaissance. Qu'est-ce que les chrétiens cherchent Ils cherchent à être applaudis par les hommes. Ils cherchent un nom. Ils cherchent à avoir un nom. Ils cherchent à se faire connaître. C'est ça le christianisme d'aujourd'hui. Or, oh, ici, si on nous fait comprendre que Christ, ben, en, tant que, en tant que Christ, voilà, que en tant que nous, en tant que disciples, on doit avoir cette nature de disciple, c'est-à-dire ressembler à Jésus. Et on a vu, on l'a lu dans Actes 11, que les disciples, d'accord ont été appelés chrétiens à cause de quoi À cause de la nature qu'ils avaient. À cause de leur caractère, que les gens ont vu qu'ils ressemblaient à Christ. Ils prêchaient comme Christ, ils parlaient comme Christ, dans leur bouche, avait toujours Jésus, Jésus, Jésus. Ils proclamaient Jésus. Ils reconnaissaient Jésus dans toutes leurs choses. En parole et en œuvre, Jésus était présent dans leur vie. Vous savez bien, aimé, on a besoin d'apprendre à nous laisser diriger par le Seigneur, à ne pas nous laisser diriger par notre chair, à ne pas nous laisser diriger par les pensées de notre cœur. C'est ça aussi, ressembler à Christ, c'est être soumis à Dieu. Parce que Christ en tant qu'homme était soumis au Père. Il était obéissant en toute chose. lorsqu'il était, lorsque, lorsque, il était à Gethsemane, la Bible nous fait comprendre qu'il va être dans l'angoisse. Il va dire, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, il va dire toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ce que Dieu veut, c'est que sa volonté s'accomplisse dans nos vies et non notre propre volonté. Et c'est là où souvent nous ratons, en tant que disciples, de porter la volonté de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Parce que quoi, lorsque nous venons dans le monde, nous portons encore beaucoup de nos, de, de nos désirs. Certains, certains aimaient les femmes métisses. Quand il arrive dans le Seigneur, Dieu lui donne une femme noire. Il dit non, je ne veux pas. Il prend une femme métisse. Finalement, la femme métisse, euh, il est tellement jaloux parce qu'elle est belle. Et puis finalement, ça crée des problèmes dans le couple. Et le couple finit par divorcer. On voit beaucoup de dégâts. Regardez, on va dans les tribunaux aujourd'hui. Beaucoup de divorces dans le milieu chrétien. Pourquoi Parce que beaucoup de ces mariages, ce n'étaient pas des mariages selon Dieu. Des mariages arrangés, c'est des mariages selon la chair. Certains sont des mariages selon Dieu, ils n'ont pas veillé et puis le péché est rentré, ça c'est un autre cas. Mais beaucoup pourquoi? Parce que on ne laisse pas la volonté de Dieu se faire. Beaucoup veulent avoir des mariés intellectuels. Beaucoup veulent avoir des femmes belles qui ressemblent à des actrices d'Hollywood. Ça c'est le monde. Quand c'est comme ça, ce n'est pas l'image de Christ. L'image de Christ ressemblait à Jésus. Un homme qui ressemble à Jésus ne peut pas battre sa femme. Un homme qui ressemble à Jésus ne peut pas maltraiter sa femme. Un homme qui ressemble à Jésus ne peut pas cacher son bulletin de salaire à sa femme. Un homme qui ressemble à Jésus ne peut pas cacher ses comptes bancaires à sa femme. Pareil pour une femme. On voit beaucoup de chrétiens, la femme construit une maison en cachette, le mari n'est même pas au courant. Ça, n'est pas le christianisme. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, n'est pas un disciple. On voit des femmes qui ont des comptes bancaires cachés. Ce n'est pas de Dieu. Des femmes qui font des actions derrière le dos du mari. Des maris qui font des actions derrière le dos de la femme. Ça, ce n'est pas l'image de Dieu. Jésus n'aurait jamais fait ça s'il si avait pris une femme. Jamais. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des hommes qui ne portent pas l'image de Dieu. Des hommes qui ne sont pas des disciples. Le disciple doit être comme... Son maître, en tout point. Et dans le disciple-là, il y a aussi au, le niveau de la doctrine, l'enseignement. Ceux qui enseignent doivent enseigner la doctrine comme Christ l'a enseigné, doivent enseigner la parole comme Christ l'a enseigné. C'est-à-dire ne pas détourner l'évangile à des fins de ventre, parce qu'il y en a qui ont pour Dieu leur ventre, qui prêchent l'évangile pour gagner de l'argent. Ça, ce n'est pas porter l'image de Christ, ce n'est pas être semblable à Christ. Quelqu'un qui est semblable à Christ va prêcher l'évangile de Christ. Parce qu'il a rencontré Christ. Comme la femme samaritaine, il est obligé, comme la femme samaritaine dans Jean 4, il est obligé de parler de ce que Dieu lui a montré, de ce qu'il a vécu avec Christ, sa relation avec Christ. Et sa, son interprétation des Écritures ne peut que s'appuyer sur la relation qu'il a avec Dieu. Et elle ne peut qu'être pure. Tous ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité là, vous avez besoin de vous repentir. Parce que beaucoup savent que ce qu'ils prêchent, ce n'est pas l'évangile véritable et vous formez des disciples qui ne sont pas à l'image de Christ. Vous formez des disciples qui sont à l'image du monde. Des disciples qui sont à l'image de Satan, de Mammon. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Christ et Mammon, on ne peut pas servir Dieu et Mammon, c'est pas possible. Tous ceux qui sont attachés à la doctrine de la prospérité servent Mammon. Donc, ils sont à l'image de maman. C'est l'argent qui est dans leur cœur. C'est le monde qui est dans leur cœur. C'est le règne. Ils veulent régner sur la terre. Le kingdom now. Ces hommes-là ne sont pas à l'image de Dieu. Ils ne sont pas à l'image de Dieu. Donc, si on peut revenir sur le passage sur lequel on était dans Matthieu, donc on nous dit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Le maître a été persécuté, le maître a été haï. Et Jésus l'a dit plus haut, il a dit, vous serez haï. On va vous persécuter. Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Un chrétien qui me dit qu'il n'a pas les combats, il n'a pas l'image de Christ. Là, on reste d'abord sur ces aspects-là. Un chrétien qui dit qu'il n'a pas les combats, sa vie chrétienne est tranquille. Il n'a pas l'image de Christ, ce n'est pas possible. La Bible me fait comprendre dans le livre de Timothée, d'accord que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc ce n'est pas possible, d'accord, de vivre en Christ, de vivre selon Christ, d'être à l'image de Christ, d'accord, et de ne pas être persécuté. Ce n'est pas possible. Un chrétien qui ne vit pas la persécution dans sa vie, il y a un problème. Un chrétien qu'on ne critique pas à tort, il y a un problème. Un chrétien qu'on ne haït pas, il y a un problème. Un chrétien qui est adulé, qui est aimé, qui est ami des gens du monde. Tout le monde l'acclame, tout le monde l'aime, il y a un problème. Parce que Jésus, les gens ne l'aimaient pas, pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il il avait tellement, il dégageait tellement la sainteté, qu'à cause de la sainteté de la justice, il dérangeait les gens. Il dérangeait les gens. Et en tant que disciples, nous devons déranger les gens. Pas dans le sens de déranger par impolitesse, mais notre vie de sainteté, notre vie de justice doit déranger les gens. Par le refus de la compromission, par le refus de la compromission, on dérange les gens. les gens. Les gens ne viendront pas nous proposer des choses. Parce qu'ils vont se dire, ah non, si on parle de la corruption devant celui-là encore, il va encore nous prêcher Jésus. Il va encore nous parler de son Dieu, on ne veut pas. Dès que tu rentres, on arrête de parler. Dès que les gens sont dans les conversations bizarres, quand tu rentres, on se tait. On change de conversation. C'est ça être un disciple. Mais tu es là. On parle de sexe devant toi, on parle d'impudicité devant toi, tu es là, tu écoutes, tu bois. Ça, ce n'est pas être un disciple, ce n'est pas être à l'image de Jésus. Jésus disait aux gens repentez-vous. Un disciple prêche l'évangile. Un disciple parle de Jésus. Un disciple annonce l'évangile de Christ. C'est ça un disciple. Il parle de son maître. Il parle de la vie de son maître. Il ressemble à son maître. Oui. C'est ça un disciple de Jésus. Il y a tellement d'aspects as, par rapport aux disciples-là. Ce n'est pas l'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas sur le disciple. là Mais c'est juste pour toucher quelques aspects. Un disciple de Christ vit dans la sainteté. La sainteté. Dans la justice. Dans l'amour de la vérité. Beaucoup de chrétiens, des gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, vivent dans le concubinage. Ils sont pendant 20 ans, ils vivent ensemble, ils couchent ensemble, ils vont dans les assemblées. Certains sont même diacres. Certains même sont pasteurs. Ils vivent, ils ne sont pas mariés. Ça couche ensemble. Ça couche ensemble. Et ça se dit enfant de Dieu, disciple de Jésus. Ce n'est pas cette disciple de Jésus. Ce n'est pas cette disciple de Jésus. Donc on peut revenir sur le passage. Et on nous parle ici de la position d'esclave. Vous voyez La position d'esclave nous amène à comprendre que en tant qu'esclave, ben, on n'a pas de volonté. Un esclave, premièrement, n'a pas de volonté. C'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui va faire ce que son Dieu, ce que son maître lui impose de faire. L'esclave n'a pas de volonté. Il n'a pas de volonté. Vous voyez? Et malheureusement, en tant que chrétien, nous avons souvent laissé notre volonté prendre la place de la volonté de Dieu. Et ce n'est pas juste. Donc, on va prendre un autre passage. Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. On va lire à partir du premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Dieu, avec Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi dans la gloire, avec lui dans la gloire. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre les relations sexuelles illicites, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de l'obstination parmi lesquels vous marchez autrefois quand vous viviez dans ces choses. Mais maintenant aussi, rejetez toutes ces choses, la colère, l'animosité, la médisance, ce qu'on appelle localement au Gabon le Kongosa, et qu'aucune parole obscène ne sorte de votre bouche. Veillez sur ce qu'on dit. Il y a des chrétiens qui parlent encore comme le monde. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous, vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et vous vous êtes revêtus, et vous avez revêtu le nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance précise et correcte, selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà ce que Dieu attend de nous. Oui. Et le nouvel homme, là, c'est justement cette nouvelle nature que je disais, qui est notre esprit renouvelé, mais qui a besoin de se refléter dans notre âme, dans notre caractère de tous les jours. Alors pourquoi on n'arrive pas à refléter ça C'est parce que justement on ne veut pas se laisser transformer par Dieu. Et pour se laisser transformer par Dieu, on a besoin de connaître sa volonté. Par quoi La méditation de la parole de Dieu et par la prière. Vous voyez Il faut méditer la parole de Dieu. Ce n'est que par la méditation de la parole de Dieu qu'on arrive à connaître la volonté de Dieu. Et le Seigneur va dire, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais plutôt mettez-la en pratique. Donc lorsqu'on écoute la parole, on doit la mettre en pratique. On doit la mettre en pratique. Vous voyez, il faut la mettre en pratique. Et la Bible nous parle ici de plusieurs œuvres, de plusieurs choses qu'il faut que les hommes abandonnent pour porter l'image de Dieu. Ça veut dire, tu peux dire avoir accepté Jésus. Tu as commencé la marche et tu es tombé. Il faut que tu te relèves. Parce que, vous voyez, cette nature-là est déjà en nous, mais il faut maintenant qu'on laisse cette nature se matérialiser, se refléter dans notre être entier. C'est-à-dire, la colère doit partir. Oui, mais il y a des choses qui sont évidentes. Un chrétien qui dit qu'il est né d'en haut, qui est converti et qui vit dans l'impudicité, il y a un problème. Il a besoin de revoir sa conversion. Un chrétien qui dit qu'il est né d'en haut, d'accord, et qui viole, qui escroque les gens. Il n'est pas converti. Il a besoin de se convertir. Vous voyez. Maintenant, il y a des choses dans notre caractère pour lesquelles Dieu nous façonne. Quelqu'un peut être chrétien et il est encore colérique. Quand c'est comme ça, il a besoin de se laisser transformer par le Seigneur. Parce que la colère ne vient pas de Dieu. Vous voyez. La colère ne vient pas de Dieu. La colère, c'est quelque chose, c'est une œuvre de la chair. Et Galates 5 nous en parle des œuvres de la chair. Or, ici, on nous, parle, on nous dit que ces œuvres-là de la chair sont rattachées au vieil homme. Et le vieil homme est mort. Vous voyez? Le vieil homme est mort. Donc, on ne doit plus se soumettre au vieil homme. Vous voyez? On ne doit plus se soumettre au vieil homme. Parce que Christ est mort pour nous. Et par sa mort, il nous a affranchis du vieil homme. Et nous avons en nous le nouvel homme. On peut revenir sur le passage. On peut revenir sur le passage. Voilà. On nous dit, et vous avez revêtu le nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance précise et correcte selon l'image de celui qui l'a créé, c'est-à-dire Christ. Vous voyez Et, euh, et euh, je voulais qu'on prenne un autre passage. On va rester sur le, le passage à l'écran. Alors, euh, c'est dans... Je vais le donner tout à l'heure. Jean 15. Donc, euh, on va prendre un autre passage dans Jean 15. Jean chapitre 15. On va lire du verset 1 au verset 8. Jean 15, verset 1 au verset 8. Je suis le véritable cep et mon père est le vigneron. Il retranche tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Et tout serment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez, c'est ça justement ce travail là que Dieu fait. C'est-à-dire la nature de Dieu au fur et à mesure qu'on est immondé par la parole de Dieu, nous amène à porter plus de fruits, c'est-à-dire à plus refléter la nature divine qu'on a vu tout à l'heure, cette nature divine, ce nouvel homme, le caractère de Christ qui est en nous. Et tout serment qui porte du fruit, il le montre, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Vous voyez, ça c'est la nouvelle, la naissance d'en haut. C'est-à-dire, la parole arrive, elle nous lave, elle nous purifie. D'accord Nous sommes purifiés par l'eau de la parole, selon Ephésiens 5. Vous voyez Et verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Verset 5 Je suis le cep et vous en êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien produire. Vous voyez, et quand vous voyez qu'il n'y a plus de fruits dans la vie d'un chrétien, c'est que on n'est plus en Christ, c'est-à-dire on est sorti. Si tu vois que ta vie chrétienne est sèche, ta vie chrétienne, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de croissance, il n'y a plus rien. Au contraire, tu ne fais même que rétrograder. Il faut comprendre que tu es en train de sortir de Christ. Tu n'es plus en Christ et Christ n'est plus en toi. Ou sinon, tu es en train d'éteindre l'esprit de Dieu ou d'attrister l'esprit de Dieu dans ta vie. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le serment, il se dessèche puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Verset 7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera fait. Verset 8 Si vous portez beaucoup de fruits, mon père sera glorifié et vous serez alors mes disciples. Vous voyez quand on parle de disciples, on parle de celui qui porte beaucoup de fruits. Vous voyez, c'est ça le disciple là. C'est porter beaucoup de fruits. Or, les fruits, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce qu'il viendra prendre. Ce sont les fruits. Et les fruits, ici, nous ramènent, nous ramènent un peu à la parabole des talents. C'est-à-dire celui qui avait fructifié, qui avait reçu et qui avait fructifié. Et on nous fait comprendre qu'il y a un, un des hommes, un des serviteurs qui va recevoir, d'accord, un talent et qui va aller l'enterrer. C'est un peu la même chose. Vous voyez, il faut porter du fruit. C'est-à-dire que ce que Dieu a mis en nous doit grandir. Et c'est là où on, 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 on porte l'image de Christ et on finit par lui ressembler. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Et maintenant, l'une des choses qui nous empêche de demeurer là-dedans, c'est quoi C'est la difficulté, les combats. Lorsqu'il y a les combats, les chrétiens abandonnent. Lorsqu'il y a des difficultés, les chrétiens renoncent. Ils font marche arrière. Et par expérience dans la vie chrétienne, j'ai observé qu'à chaque fois que quelqu'un décidait de faire marche arrière, décider de commencer à renoncer à la marche chrétienne, c'est parce que Dieu avait tellement travaillé dans sa vie, ou Dieu avait commencé à travailler dans certains domaines de sa vie, et qu'il y avait derrière ça une bénédiction associée. Et comprenons, hein, quand on parle de bénédiction, je ne parle pas de biens matériels. La bénédiction selon Dieu, ce n'est pas les biens matériels. La bénédiction selon Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu se révèle d'abord davantage à nous. Vous voyez Parce que même si Dieu doit nous donner un bien, il se révèle d'abord à nous. Parce que sinon le bien va prendre la place de Dieu. Ouais, donc quand je parle de bénédiction, il ne faut pas que les gens aient la notion de bien matériel. La bénédiction biblique n'a rien à voir avec les biens matériels. Donc toutes les fois où ces hommes se sont découragés, c'est parce qu'il y avait quelque chose de bon devant. Ouais, c'est parce qu'il y avait quelque chose de bon devant. Et Satan utilise les combats, les difficultés, les épreuves dans lesquelles nous passons, d'accord, pour nous torpiller, pour nous amener à renoncer, à se dire, est-ce que Dieu est encore avec nous Vraiment, on voudrait encourager le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, à comprendre que Dieu est notre Père, il nous aime et il ne permet rien, rien dans notre vie pour nous détruire. Tout ce que Dieu permet dans notre vie, c'est véritablement pour nous encourager, pour que nous soyons à son image, pour pouvoir lui ressembler. Donc, on va prendre un passage pour pouvoir encourager ceux qui vivent, ceux qui sont dans les combats, ceux qui ont envie de renoncer au travail que Dieu fait dans leur vie. Cette belle œuvre que Dieu fait dans ta vie, cette vie de transformation que les hommes agrètent, que les hommes reconnaissent, les hommes disent que tu n'es plus celui que tu étais avant, tu n'es plus celle que tu étais avant. Les hommes le voient, mais à cause des difficultés, tu commences à baisser. Mon frère, ma soeur, je voudrais vraiment t'encourager par la parole de Dieu. Alors... On va prendre Deutéronome chapitre 8 pour qu'on puisse encourager nos frères et nos sœurs qui passent par le désert, qui sont combattus. Deutéronome 8. Deutéronome chapitre 8, on va lire du verset 1 au verset 5. Au verset, euh, verset 6. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui afin que vous viviez. Que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que Yahweh a juré de donner à vos pères. Ici, il s'agissait à l'époque de la Jérusalem terrestre, c'est-à-dire la terre de Canaan. Et ici, il faut comprendre maintenant prophétiquement, cette parole nous parle de la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire le ciel, là où nous devons partir. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh, ton Dieu, t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et si tu garderais ses commandements ou non. Frère, ici, les difficultés nous font comprendre que c'est pour nous éprouver. C'est pour que Dieu voit si oui ou non on va garder ses commandements. Regardez ce que Dieu fait à Abraham. Dieu appelle Abraham, il fait des promesses à Abraham et il accomplit ses promesses en donnant à Abraham Isaac. Et il dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, celui que tu aimes. Et quand Abraham obéit et sur le point de sacrifier Isaac, Dieu lui dit Je vois maintenant que tu me crains. Parce que nous passons par les épreuves, nous passons par les difficultés, nous passons par les combats, par les déserts. Et Dieu parfois laisse Satan nous cribler. Ce n'est pas Dieu qui nous crible, il laisse Satan nous cribler. Mais il prie pour que notre foi ne défaille point. C'est ce que Jésus a dit à Pierre Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié. Pas pour que Satan ne vous crible pas, mais pour que votre foi ne défaille point. Alléluia! Et c'est là où souvent on pêche, c'est là où on manque le but, parce que Dieu veut faire cette œuvre dans notre vie. Vous voyez? On peut revenir sur le verset, on va lire la suite. Il t'a donc humilié, verset 3. Il t'a donc humilié. Il t'a laissé avoir faim, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de te faire connaître. Que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais que l'être humain vivra de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. Verset 4. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé durant ces 40 ans. Ici, Dieu nous fait comprendre que malgré le fait qu'on est dans l'épreuve, il prend soin de nous. C'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement derrière. Oui. Il dit au verset 5. Reconnais dans ton cœur que Yahweh ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Verset 6. Égale les commandements de Yahweh ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car Yahweh ton Dieu va te faire entrer. C'est ça la promesse, frère. C'est ça la finalité. Car Yahweh ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Un pays de torrents d'eau, de sources et des eaux souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Verset 8. Un pays de blé d'orge, de vigne, de figuier et de grenadier. Un pays d'oliviers donnant de l'huile et du miel. Un pays où tu mangeras, tu ne mangeras pas le pain dans la pauvreté. Tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Tu mangeras et tu te rassasieras. Tu béniras Yahweh, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. C'est là où souvent on manque. Dès qu'il y a des épreuves, on laisse, on abandonne et on quitte. On ne laisse plus le Seigneur travailler pour que la nature de Christ puisse continuer à être manifeste dans notre vie. Face ça, on a besoin. On a besoin, on a besoin de laisser Christ travailler dans nos vies, on a besoin de laisser Christ, d'accord, nous amener à porter son image par le travail qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Jacques, on va bientôt terminer, Jacques, c'est des passages qu'on connaît, Jacques chapitre 1, à partir du verset 12. Jacques chapitre 1, à partir du verset 12. Jacques chapitre 1 à partir du verset 12. Comment faire pour être semblable à Christ On a expliqué et on a compris aussi que les combats nous amènent souvent à être à sortir de ce travail que Dieu a commencé à faire dans nos vies. Béni est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été tenté, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que lorsqu'il est tenté, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise Je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Puis quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort. Vous voyez, c'est là le piège. C'est que Satan vient nous tenter, comme je le disais, quand euh, Jésus dit à Pierre que Satan les a réclamés pour les cribler comme du froment. Mais le problème, c'est que derrière la tentation, Satan vient mettre un appât. Et si on ne se rend pas compte que derrière la tentation, il y a une victoire, parce que Christ a tout accompli et qu'il y a un travail que Dieu permet dans nos vies, d'accord On va succomber et on va perdre la couronne que Dieu nous donne. On peut remonter verset 12. Vous on nous dit, béni est l'homme qui... Endure la tentation, car après avoir été tenté, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, derrière la, la tentation, là, que Satan met et que le Seigneur permet, parce que ce n'est pas Dieu qui nous tente, on l'a bien vu au verset 13. On comprend que derrière il y a une récompense, il y a une couronne. Frère, ne baisse pas les bras. Laisse Jésus te transformer pour que tu portes son image. Que tu portes son image. Romains 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, à partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son moyen que nous avons été amenés par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela. Mais nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Et la persévérance, l'épreuve, et l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Voilà. Donc, ici, on nous fait comprendre que. On peut remonter, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, on nous fait comprendre que, à partir du verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son moyen que nous avons été amenés par la foi à cette grâce par laquelle nous tenons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, nous nous glorifions même dans les tribulations. Vous voyez, les tribulations, c'est aussi pour nous transformer, pour porter l'image de Christ. Donc frères et sœurs, c'était vraiment ce que j'avais à cœur de partager, que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous pour nous encourager à tenir ferme dans la vie chrétienne, à comprendre que le but final, c'est que nous puissions ressembler à Christ. Alors il est certes vrai que nous tendons à la perfection et que nous allons, cette œuvre sera achevée par Dieu lui-même lorsque nous allons, d'accord, recevoir les corps glorieux lors de l'enlèvement de l'Église. Nous allons devenir directement semblable à Christ dans sa totalité. Mais dans l'esprit, nous sommes déjà renouvelés et nous devons justement nous atteler à laisser le Seigneur continuer ce travail-là. Donc vraiment, que Dieu vous garde, que Dieu nous aide, que Dieu vraiment nous encourage. Voilà, donc vous pouvez nous contacter. Vous avez euh, les numéros de téléphone qui s'affichent en dessous. Vous avez le contact mail. Vous l'avez aussi sur le site Internet. Donc, si vous avez des questions vous souhaitez la prière, vous souhaitez qu'on discute, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes dispos, c'est gratuit. La Bible, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc que Dieu vous garde dans vos maisons, que Dieu vous bénisse et que chacun de nous garde la parole de Dieu dans son cœur parce que Jésus revient. Voilà, donc euh, à, à, à plus tard euh, à, pour notre prochaine émission.